Monsieur le Président, avec votre permission, il faut être très sincère et honnête quand vous posez cette question. Il n'est pas sans savoir que lorsque vous avez des avocats ou des conseils ou un avocat, que vous n'êtes pas sans savoir de savoir leur position en ce qui concerne mes conseils. Et ils m'ont fait comprendre que par rapport à toutes ces discussions qui se sont passées et qu'ils attendaient, je crois, une notification qui pouvait provenir soit du procureur pour leur demander effectivement de venir à l'assise. Alors donc, et puisque n'étant pas professionnel, alors je n'ai pas cherché tellement à discuter avec eux, sans compter que vraiment la situation réellement me dépasse. Et avec votre indulgence, je vous prie de bien vouloir nous accorder ce temps afin qu'on puisse rentrer en contact avec eux pour leur demander réellement qu'ils veuillent bien accepter de venir à l'audience, Monsieur le Président. J'en ai fini. Donc, vous, vos conseils vous ont dit qu'ils n'ont pas reçu la notification, oui, pour être à l'audience d'aujourd'hui. Voilà, la notification, comme quoi, bon, c'est certainement le procureur qui devrait leur tenir officiellement. Alors, c'est comme ça qu'ils m'ont dit. Mais puisque je ne connais pas les détails et je ne suis pas aussi professionnel en la matière... C'est bon, on vous comprend, M. Kamara.